tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Attendez, la perche elle bouge, ça va pas être agréable. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, mardi 22 décembre. Il est 9h du matin. Et je suis fatiguée. J'ai eu du mal à m'endormir et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Je suis censée être debout depuis une demi-heure quand même, hein, mais je viens juste de me lever. Je me suis réveillée en douceur avec de la musique et tout. Là je vais tirer vite fait la couette histoire de dire ouais j'ai fait mon lit, mais en fait je l'ai pas fait. Parce que dans 2 minutes j'ai Rose qui arrive à la maison. Parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Rose, je sais pas si vous en souvenez, c'est une de mes meilleures amies et elle était dans mon tag. Ouais, elle est là. J'arrive. Bonjour. C'est cool de te voir. De vlogger, puis d'un coup ça sonne, j'ai pas compris. Meuf, je viens de me réveiller. Mais meuf, c'est vrai, hier je me suis levée à 11h et là vous me demandez de me réveiller à 8h30. Ça va? Ça va, et toi? Je me suis dit, je vais faire genre je m'habille pour elle et tout. Du coup, je sais plus. Je trouve ton sapin, il est beau. Ah bah merci. J'étais en train de faire genre j'ai fait mon lit, mais du coup. bref, je sais plus ce que je disais. Oui, vous l'avez vu dans mon best friend tag et. Un truc comme ça, qui de nous trois. Et on va à la patinoire. Parce qu'on est des grosses tarées. Hein? Moi aussi. Bon, je vous laisse, je vais aller manger. Hein? T'as mangé? Oui, mais je pourrais manger. Yo! Salut! Voilà! C'est le vlog, c'est le vlogos. Meuf, c'est au bout de ma vie là. On est à la patinoire. Ah, la lumière, elle est trop belle! Des photos pas Instagram. Voilà. Elles sont nulles. Attendez-moi, putain. Oh, 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 oh. C'est le caca là. Attendez. Elles m'attendent pas. Hein. C'est moi qui propose l'idée et elles m'attendent pas. C'est drôle. Bon, vos impressions? Bah, c'est moins compliqué que d'habitude. So, sort de la patinoire. She knows it's too late. Bref, sort de la patinoire, c'était trop cool. Maintenant, elle va fermer, donc là, on va voir. On va à Confluence voir si il y a du monde à Burger King. Faut qu'on aille au sport parce qu'il faut que je m'achète une cassette. Oui, ça, on a compris. Ok. Donc voilà, c'est la petite sortie du jour de la ville. Oh, franchement, la patinoire c'était cher bien. Ouais. J'adore la patinoire. Il y a un gros connard, mais sinon c'était pas mal. On vous expliquera tout ça en mangeant. Merde. Burger King, plus jamais. Je dis ça à chaque fois que j'y vais. Hein. 20 minutes pour être servi. Non, 20 minutes pour poser un hamburger dans un plateau, s'il te plaît. LOL. C'est deux tensions, vous pouvez pas imaginer. J'espère qu'on nous entend. Hey, hey. Bref, on mange, on va manger là parce que j'ai faim. Faim. T'as faim? T'es moche quand tu manges. Je sais, mais faut pas le montrer. Oh, oh let's go, Jérôme. Ta qualité, meuf, c'est un truc de dingue. Je me suis tapé la honte à la patinoire. En gros, il y avait un mec qui faisait trop le mec. Et elle se casse la gueule. Et le mec, il arrive et il l'éclabousse avec la glace. Et il fait, bah fallait pas rester par terre. Cher drôle. Jérôme, donnez là. On est dans le bus. Et on va où? Je fais le cours. Mais non, on va chez moi. Mais non, on va chez moi. Non, chez elle. Moi, j'ai pas d'affaires. Hein. Je vais Et après, il faut retourner chez moi. Vous me fatiguez. Bah, bon, bah, on va chez l'une ou chez l'autre. Voilà. Mais là, on a une demi-heure de bus. Bah, c'est chez Justine. Bah, oui, mais après, on va chez moi. Ah oui, je peux donner chez toi. Ok. Toi aussi. Moi, je n'ai pas le choix. Voilà tout. Rose. Oui. Tu te sens
sens pas un peu exclu de la société là? Ah, elle est drôle. Putain. On est à la gare et il n'y a pas de bus avant une demi-heure. C'est génial. C'est de ma faute. Aïe, mes cheveux. C'est parce qu'on allait m'acheter ma casquette. J'ai touché même pas des mais cheveux. Mais si, ils étaient tirés. Mais non, j'ai touché même pas. Ouais, tout ça parce qu'elle allait s'acheter une casquette. Alors qu'on aurait pu avoir le bus d'avant quoi. On dirait un touriste. Salut. Salut. C'est un truc. Donc voilà, donc là on doit attendre une demi-heure en fait le bus. C'est sympa, j'aime bien qu'on se. Pourquoi tu prends des photos? Voilà. On adore. La vie est nulle. On adore. Tu peux arrêter. Salut. Salut. Qui moi? On vient d'aller faire des photographies. Des photographies. Avec mon nouvel appareil photo et ça rend. En fait, j'aime pas du tout quand tu vlogs parce qu'on me voit jamais vu que je suis là. Par... Enfin, non, mais je m'en fous. Non, mais non. Ça rend plutôt pas mal, les enfants. Genre. Voilà. Ça rend plutôt pas mal. Bon, moi je suis moche, mais elles sont bien. Mais là, du coup, j'attends que Internet réponde, mais il n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Hein. Et du coup, ce soir, on dort chez elle. Toutes les trois. Encore. Quand est-ce que je vais être tranquille, quoi? Pète les couilles, celle-là. Tu vas pas fermer un peu ta gueule? Ferme un peu ta gueule. Désolée. Ah, tu m'as léché. Ah, elle m'a léché. Chacun ses délires. Allez, on va sur pif. Ah oui, ça marche. Bon, allez, on vous laisse. On va publier les photos sur Facebook. On a la petite musique pour nous motiver derrière. Bref. Voici la photo de Rose, ce qu'elle rend, et la photo de Camille. C'est bon, tu peux enlever ta main. Ce qu'elle rend. Cette robe. Franchement, moi, j'adore. Yo. On est rentré chez Camille, on est en train de faire à manger. Encore des pâtes. Ouais, parce que les pâtes sont pas. Putain, j'avais pas la prendre dans ma fourchette. C'est chiant. Bon, bah voilà, dites au revoir. On va clôturer le vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à demain. Qui était plus intéressant que les autres? Mais c'est ce que tu dis à chaque fois de vlog. Bisous. Bisous.